ça, du monde qui ont moins d'argent aussi. Notre objectif, nous autres, c'est qu'on s'est dit, Chris, on va se réunir tout ensemble, puis on va en faire une exposition d'art, comme qui va vraiment cibler une clientèle particulière. Alors, on a fait ça avec Globe 1, ça a super bien marché. Ça a peut-être eu l'air professionnel, mais ça n'était pas pantoute. On était vraiment broche à foin. Ça n'a pas paru, si on est content, parce que tout le monde a dit que c'était hot. Nous autres, ça va comme vous. Pendant des mois, la fin que. Puis cette année, on était mieux arrangés, mais on se mettait plus d'attentes. Puis j'espère que vous êtes contents aussi des attentes qu'on s'était mis. C'est encore plus élevé que tout ça. Les artistes, je vous remercie vraiment gros. Non, vraiment parce que vous avez vraiment répondu à l'appel qu'on a lancé de se réunir ensemble. Puis bientôt, on va se reposer un peu. On va vraiment mettre une page, on va se reposer. On va commencer à dormir 2-3 jours. Ensuite, on va bientôt faire un site internet pour que le monde va pouvoir publier le toile, le portfolio. Ben, vraiment, avant la page Facebook officielle, qu'on vous invite à aller rejoindre comme but de regrouper tous les artistes. Que vous allez pouvoir mettre votre portfolio puis tout. Exactement. Puis que ça devienne vraiment comme une espèce de courant. Un jour, on va toujours en faire ici, sûrement, parce que c'est comme qu'est-ce qui nous a fait naître. Mais c'est pas une exposition d'Halloween, c'est une exposition d'art macabre. Fait que s'il y a rien qui nous empêche qu'un jour on en fasse une ailleurs, à un autre temps. En plein été. En plein été, à Montréal, à Québec, n'importe où, où est-ce qu'on va être capable d'exposer qu'est-ce qu'on fait. Quand vous connaissez des artistes qui sont du courant, il y en a plein en plus qui ont su ça dernière minute, qui n'ont pas eu le temps de venir exposer. Donc l'année prochaine, ça va être encore plus gros, il y a plein de noms. Avec la page, il y aura moyen de se regrouper justement pour s'entraider. Fait que l'année prochaine, ça va peut-être plus gros, puis ça veut peut-être dire qu'on va en avoir plus qu'une édition de l'autre, puis plus qu'à Saint-Hyacinthe dans les années à venir. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Un bon restant de soirée. On s'en va aux haricots après. On va voir quelques spéciaux sur la bière. Yeah! On est invités, ça va être bien cool. Félicitations aussi à mes deux acolytes qui n'ont pas dormi comme moi. Oui, félicitations à vous trois, gang! Félicitations à vous trois! Pour terminer, je veux dire un vraiment gros merci à Vic. À tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main, qui ont fait qu'on est arrivé à temps aujourd'hui. Pour la Zombie World, ça va, les dates, les heures vont être officialisées la fin de la semaine prochaine. Y a-t-il un autre flyer spécial pour vous? La semaine prochaine, je sais qu'il y a des questions, c'est marqué de midi à midi, là, mais c'est parce que les heures ne sont pas encore confirmées. Je vais céder à la place à celui qui a comme un peu été notre... Notre placenta. Placenta. Je reste interne gloss. C'est quand l'enterre avec Elian? Là, ok, c'est bon, c'est bon. On donne toutes les foies. Ah, ok, les foies, les pancréas, moi je suis ouvert. Bon, gloss! C'est quoi? J'ai un doigt à donner, c'est tout. Mais si je suis pas obligé, je vais le garder. Ça, remercier tout le monde qui sont ici. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Victor, je m'occupe de l'atelier. Puis je pense, Mo, Dave, Pascal l'ont très bien dit. Ils ont dit des mots que j'aime bien. Des mots comme projet, des mots comme collectivité, des mots comme artiste, exposition. Alors, c'est la deuxième édition. Puis ceux qui ne veulent pas dormir demain, c'est la nuit des sans-abri dans le parc. Les artistes qui veulent peindre, il y a encore de la place aussi. Ça se fait juste à côté. On a une programmation musicale aussi. Puis, c'est une place de projet, c'est une place, vous avez une expo, pourquoi pas. Les deux slogans ici, c'est « Tout est possible », puis « La force est dans la collectivité ». Vous avez des questions sur ce bar-ci, sur l'autre bar, n'importe quoi. Vous avez besoin de qu'est-ce que j'ai dans la poche, l'intérieur, des petits points rouges. D'ailleurs avec ses contours dans pas longtemps, Die Bastard Die. Oh yeah!